C'est magnifique, vraiment. On a toute cette génération de musiciens incroyables. Et Adama, Thomas, Adama Bidorou, il est magnifique. Ton album, on est à l'écoute. Qu'est-ce qu'il va nous raconter de ses origines burkinabées et à la fois ivoiriennes, de son continent africain et comment il maîtrise ses instruments. Et on constate qu'il est vraiment ouvert sur le monde, en ce sens qu'on retrouve des Bretons qui viennent avec la cornemuse bretonne pour le jouer dans son spectacle. On retrouve des Françaises qu'il fait chanter en bobo ou en dulap. On retrouve Jean-Philippe Rituel au clavier. Donc il est, comment dire ça, il est dans la démarche de ceux qui s'ouvrent sur le monde. Et c'est ce qu'on applaudit. Adama Bidorou, c'est un musicien hors pair. Il touche à tous les instruments avec bonheur. Il a en plus une ouverture d'esprit fantastique qui lui permet de prendre des musiciens qui viennent de plein d'horizons différents et de les intégrer à sa musique. Et je suis très fier de faire partie de ses amis et de ses collaborateurs et de ses accompagnateurs musicaux. Il fait de la musique de qualité et c'est pas ce qui est le plus rentable. Donc il faut qu'il soit patient et surtout qu'il ne se décourage pas, qu'il continue à faire des belles choses. Ben, je remercie le Tout-Puissant d'abord et je remercie mon papa Adama Dramé et avec Cheikh Tidiane, même s'il n'était pas là, mais il était avec nous. Et tous ceux qui nous ont quittés, que ce soit Manu, Mori Kanté et Moruba Keïta. Je ne vais pas citer tous leurs noms, mais qui reposent en paix. Et ce soir, on a, j'ai senti dans la salle parce qu'ils ont joué. Et elle est une note qu'on a reproduit. L'esprit est là. Tout ça, c'est vraiment, c'est l'Afrique. C'est la dignité de l'Afrique qu'on est en train de montrer aux yeux du monde à travers sa culture, à travers de notre force, notre pouvoir de pouvoir s'adapter aux autres, en fait. Et moi, j'étais vraiment ému. J'ai même eu les larmes aux yeux, vraiment. Et vraiment, je suis content de cette soirée, vraiment. Et je pense que je ne pouvais pas rêver mieux que ça, en fait. Et encore merci à tout le monde, à tous ceux qui sont venus pour nous soutenir pour ces soirées de release party. Maintenant, on espère que l'album va suivre son chemin et nous, on va essayer de l'accompagner et faire les tournées et les scènes. Et on espère que ça va nous apporter loin.